avec Sophie Le Ménestrel aujourd'hui sur le marché. Bonjour. Bonjour Christelle. Et nous parlons du bulot devant cet étal de poissonniers. C'est comme un escargot de mer, le bulot ? Absolument. Il a tout à fait la forme d'un escargot, surtout quand on le sort de sa coquille. C'est un mollusque gastéropode d'eau froide que vous allez trouver de l'Atlantique Nord à la Manche et à la mer du Nord. C'est une grande spécialité de la Normandie. C'est emblématique de l'Ouest Cotentin, qui est la première région française et européenne de pêche pour cette espèce. Où est-ce qu'on le pêche ? Est-ce qu'on le pêche en pleine mer, le bulot ? Non, le bulot se rencontre principalement sur les fonds de sable et de gravier, ainsi que sur les fonds vaseux, où il vit enfoui la plupart du temps, ne se déplaçant que pour se nourrir et se reproduire. Il est carnivore, essentiellement nécrophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit des restes de poissons et de crustacés qu'il trouve sur le fond. Bonjour monsieur le poissonnier. Bonjour. Vous vendez des bulots, pourquoi est-ce que vous les vendez déjà cuits ? On n'a plus le droit de cuire, sauf si on est équipé d'un laboratoire agréé normes européennes pour tout ce qui est cuisson, à cause des normes et des bactéries qui sont éventuellement transmises lors de ce genre de choses. Donc il faut que tout soit impeccable. Donc pour ne pas s'embêter, maintenant on les achète cuits directement par des gens qui ne font que ça. Après, si vous voulez vraiment avoir une grosse fraîcheur, vous allez vous-même donc laver et rincer les bulots à grandes eaux en les brossant, notamment au niveau de l'opercule. Et ensuite, les plonger dans une bassine d'eau froide et salée, les laisser tremper pendant 1 à 2 heures pour qu'ils crachent leur sable. Et après, vous allez les placer dans une casserole, ajouter de l'eau, du gros sel, du thym, du laurier, du poivre et porter à ébullition et cuire environ 20 minutes. Surtout, ce qui est important après, c'est de les laisser tiédir dans leur eau de cuisson. Le bulot tiède, c'est absolument délicieux. Alors bon, je sais que là, c'est beaucoup moins diététique, vous allez le consommer avec une mayonnaise. Moi, je vous conseille de rajouter un petit peu de ketchup, une pointe de cognac et pas mal de poivre, et vous aurez quelque chose avec des bulots tièdes absolument délicieux qui vous changera du plateau de fruits de mer. Pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à son aspect escargot. Alors là, il y a une recette qui est assez amusante, c'est le tartare de bulots. Vous allez tout simplement les décoquiller, hacher la chair au couteau, en ayant bien sûr enlevé les opercules et en ne gardant pas la partie intestin, etc. Vous allez ciseler finement une échalote, des fines herbes de votre choix, et mélanger la chair du bulot avec tout cela, de l'huile d'olive et du jus de citron vert, et vous régaler. Très bon, effectivement. Merci beaucoup Sophie Le Ménestrel. Sur votre site terroir de chef.com, on retrouve tout ce qui concerne le bulot. Et vous, on vous retrouve la semaine prochaine sur le marché. À bientôt. À la semaine prochaine, Christelle.